Par cet exemple, limité à l'étude de l'équilibre d'une pièce dans l'espace, on va s'intéresser à la façon de gérer une esquisse 3D pour calculer en énergétique les actions aux appuis. Du fait de la simplicité du cas traité, il sera aisé de vérifier le résultat obtenu en faisant un calcul en semi-graphique. On s'intéresse à un portail en appui sur un rail en B et C qui constitue une liaison linéaire annulaire. Un galet en A fait office de contact ponctuel horizontal. L'objectif est de déterminer les efforts en ces trois points en fonction de la position A du portail. En pointillé est tracé le rail support du portail. Il est positionné par rapport à deux plans de référence. On place le point de contact A à l'origine du repère. Un segment de droite BC, collinéaire au rail, permet de matérialiser les points B et C. On matérialise le portail par un segment perpendiculaire situé au milieu de BC. On met en place la valeur de décalage de 200 mm. Puis on trace une droite parallèle au plan vertical de face. Cette droite est perpendiculaire au segment précédent. Et la cote de hauteur du portail est mise en place. La cote petit a est mise en place par rapport au plan de face. Pour réaliser le calcul énergétique visant à calculer l'effort en A, on décale le portail d'une très faible valeur dans la direction de la force en A, c'est-à-dire 1 centième par rapport au plan vertical de droite. Il suffit de mettre en place le poids du portail en son centre de gravité. Puis on mesure la distance par rapport au plan de référence horizontal. Le calcul énergétique donne 25 décanewtons, ce qui est confirmé par le calcul semi-graphique. Si maintenant on veut calculer la composante horizontale de C, il faut tracer un axe horizontal perpendiculaire au rail. On met une cote de décalage qu'on conserve pour l'instant dans l'état, afin de bien voir la construction de l'esquisse. On trace une droite de construction de longueur égale à petit a, et dont l'extrémité glisse sur le plan vertical de droite. Cette droite de construction est parallèle à BC. Le décalage précédent est supprimé au profit de celui de la composante horizontale de C. Le calcul se fait ensuite de façon classique, en exploitant le déplacement du poids du portail. À vous de déterminer le sens de la composante horizontale de C et vérifier que c'est bien cohérent. La construction et la gestion de l'esquisse 3D pour le calcul énergétique peut s'avérer délicat. Là encore, il faut voir, selon le cas traité, si un calcul graphique ou semi-graphique n'est pas plus adapté. Ceci dit, essayez de déterminer les autres actions aux appuis en vérifiant par calcul semi-graphique l'exactitude du résultat trouvé.